Salam alaikum à tous. Alors, merci d'avoir répondu présent aujourd'hui. On avait organisé un dernier tournoi, donc c'était maintenant il y a quelques mois. C'était au mois de novembre dernier. C'était pour l'UPT, donc c'était l'United Tournament of Paris. Et on avait regroupé donc beaucoup de personnes de la Courneuve, de Bagneux et des voleurs. Donc ça avait été un grand succès. On avait rassemblé autant de personnes qu'aujourd'hui parce qu'il y avait 48 personnes, plus des gens qui étaient venus nous voir. Donc c'était un grand succès. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont demandé à ce qu'il y ait d'autres tournois. On a laissé un peu la sauce tourner, on a essayé de mettre un peu de suspense. Et aujourd'hui, on a décidé de lancer ce tournoi. Donc c'est Play for Dar al-Raza, Zahra, pardon. Et donc c'est une compétition qui a été organisée spécialement pour cette association. La personne qui est responsable de cette association va vous expliquer en détail donc, ce que fait l'association tout à l'heure. Mais voilà, donc aujourd'hui, en tout cas, on est hyper heureux de vous accueillir, de voir que quand on fait des choses pour la bonne cause, on arrive à réunir autant de personnes, ça nous fait vraiment chaud au cœur parce que c'est quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur. On a voulu le faire, c'était pas facile à le mettre en place et on a réussi à le faire. Donc je pense que rien que pour ça, on peut s'applaudir. Alors concernant l'organisation du tournoi, donc comme vous le savez, donc c'est le FCPJ qui organise ce tournoi. C'est une association qui n'est pas nouvelle parce que c'est l'une des plus vieilles associations de notre diomat. Elle existe depuis 2005, mais depuis janvier, on s'est dit qu'on voulait passer à une étape supérieure, qu'on voulait participer à de plus en plus de tournois. Et pour ça, on avait besoin d'un compte bancaire, d'une vraie structure. Donc depuis janvier, l'association est une association sportive régie par la loi de 1901 dont le comité directeur est composé par moi-même. Je suis le président. Mohamed Virjidina est le trésorier. Zamir Asakali est le trésorier adjoint. Hasnan Akbar Ali, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, vous savez certainement pourquoi, il a une très bonne nouvelle puisqu'il a fêté sa nouvelle union. Il n'a pas pu être là, mais c'est une pièce aussi très importante de notre comité directeur vu que c'est le secrétaire général, et Arzou Wali, qui est donc le secrétaire général adjoint. Donc l'association est créée, c'est une première grande étape dans la vie de ce club, et ça aussi, voilà, c'est quelque chose d'important, et on tenait à vous le dire. Donc ça, voilà, ça c'est fait. Il faut que vous sachiez qu'on a surtout créé cette association, parce que comme je vous l'ai dit, on veut participer à de nombreux tournois, on veut créer des tournois comme celui qu'on va faire aujourd'hui. Et il faut que vous sachiez qu'il y a énormément de personnes qui connaissent le FCPJ un peu partout dans le monde, qui nous contactent très régulièrement. On a de très très beaux projets à venir. Ces projets-là, on pourra les faire grâce à votre soutien, les gars. Plus vous nous proposerez votre aide, plus on fera des compétitions de plus en plus grandes. Et croyez-moi, en tant que passionné de football, vous l'êtes aussi, on va se régaler. Si on travaille ensemble, les gars, on va se régaler. Juste pour info, il y a le Jamaat de New York qui nous a contactés pour un tournoi. Maintenant, pour être très franc avec vous, on s'est engagé avec le COEG, donc, qui est, vous savez, qui organise le tournoi en été à Londres, le MAMT. Donc on s'est engagé à bosser avec eux main dans la main pendant quelques temps. Donc le tournoi de New York, c'est un projet qu'on a, qui ne se fera pas cette année, mais qui viendra dans les années à venir. Mais en tout cas, c'est une certitude qu'on veut participer à ce tournoi et qu'on va le faire. Cette année, malheureusement, ça ne sera pas possible parce que, comme je vous l'ai dit, au mois d'août, il y aura très certainement le MAMT. On n'a pas encore reçu l'invitation, mais ça se fait chaque année. Donc, Inch'Allah, normalement, ça devrait le faire. Mais voilà, il y a des choses comme ça, il y a pas mal de choses qu'il faut que vous sachiez. Et ça en fait partie, et donc voilà, je pense que c'est une très bonne nouvelle, et il y aura pas mal de belles choses à venir très prochainement. Par rapport au tournoi d'aujourd'hui, donc je vous l'ai dit, c'est pour une cause humanitaire, c'est une association qui nous tient vraiment à cœur, parce que on a la chance, nous, d'être là, d'avoir à manger, d'avoir à boire, de jouer au foot dans les meilleures conditions. On sait que ce n'est pas le cas pour tout le monde. On sait que malheureusement, pour des problèmes géopolitiques, il y a eu pas mal de soucis dans des pays musulmans. Je pense que c'est notre devoir de nous rassembler pour venir en aide à ces personnes.
Et moi, quand il y a la personne qui s'occupe de cette association qui m'a contacté il y a quelques mois, malheureusement, je n'ai pas pu m'en occuper. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le FCPJ, c'était notre devoir. Mais quand je vous dis notre devoir, c'était vraiment notre devoir d'aujourd'hui tout faire pour leur rendre service. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et cette personne qui nous a contacté, on tient à la remercier parce que c'est une personne qui se donne vraiment pour ces gens-là, qui va sur le terrain, qui est déjà allé là-bas, allé à la rencontre de ces gens-là, qui sait de quoi il parle. Et cette personne, je vais l'inviter pour qu'elle vienne nous expliquer en détail ce que fait l'association de Dar al-Zahra. Et cette personne, c'est Kassim Denji. Je vais vous demander de l'applaudir. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام. Alors je vais vous présenter en quelques mots ce qu'est Dar al-Zahra. Alors Dar al-Zahra, c'est le nom de l'orphelinat qui se trouve en Irak, qui est dirigé sous les auspices de d'Ayatollah Bachir Najafi. Donc pour ceux qui connaissent pas Ayatollah, c'est un Mirza, c'est comme Seyed Sistani. Et beaucoup de personnes sont taclit. Et en fait, son bureau, ils font pas mal d'actions sociales. Par exemple, ils ont mis en place un système d'aide financière. Ils aident les personnes à construire des maisons en leur prêtant une certaine somme et puis ils remboursent au fur et à mesure. Là, en ce moment, il y a une campagne de micro-financement. Ils prêtent aux personnes nécessiteuses des petits tuk-tuk pour commencer à vendre leurs marchandises, et au bout d'un an les personnes remboursent, et comme ça au fur et à mesure ils travaillent. Et sinon, vous avez sûrement entendu parler pour Al-Bain de la collecte de riz ou la mise en place des toilettes anglaises. Ça, c'est également là, c'est sous Ayatollah que tout s'est fait. Mais là aujourd'hui on est réunis pour Dar al-Zahra. Je vais vous donner quelques chiffres. Avant Daesh, c'est-à-dire entre 2008 et 2010, en Irak, il y avait 4 millions d'orphelins. Il y avait 1 million de veuves. Ça, c'est avant Daesh. Aujourd'hui, on ne sait pas le chiffre exact, mais ça, c'est avant Daesh. Et là, je reviens d'Irak. J'y étais la semaine dernière. Et j'ai eu la chance d'être... de pouvoir visiter le centre, l'orphelinat. C'est un orphelinat qui a nécessité un budget de 5 millions de dollars. Là, les fonds, ils sont récoltés. Au centre, tout est nickel. Ils ont un terrain synthétique, ils ont des laboratoires de sciences, des salles de classe. Mais aujourd'hui, ce sont les orphelins qui ont besoin de nous. L'orphelinat, il peut accueillir... Enfin, ils accueillent en ce moment 660 élèves à peu près, mais ils ont besoin d'un financement. Et là, il y a quelques temps, j'avais lancé la campagne, enfin on a essayé de propager la campagne qui s'intitulait Sur le chemin, retour sur le chemin de l'école. Et en fait, cette campagne, elle consiste à financer le semestre d'un orphelin où ils reçoivent l'éducation, les fournitures scolaires, les transports, trajets, domicile, école, la nourriture, tout est pris en charge pour une somme de 450 euros. Mais là aujourd'hui, enfin, la semaine dernière, j'ai eu l'occasion de rencontrer également le responsable et il m'a présenté un nouveau système. C'est le système de parrainage. Parrainage, 1 dollar par jour. Aujourd'hui, vous savez que pour vivre, enfin... Ils ont basé le système à 1 dollar par jour pour survivre. Et du coup, Ayatollah et son équipe, ils ont mis en place ce système. Et en fait, vous pouvez participer à cette campagne. C'est 1 dollar par jour, donc 30 dollars le mois. Et vous pouvez participer autant de fois que vous voulez. Si vous participez, vous recevez cette carte que j'ai là avec moi. Dedans, vous trouvez les informations de l'enfant que vous parrainez. Son nom, prénom, si c'est un enfant de Sayed, parce qu'il faut faire attention. Si vous donnez des dons, et je compte sur vous, enfin on compte sur vous, les Sayed ne peuvent pas consommer l'argent de Sedka.
si vous nous donnez l'argent de sadaqa, il faut le préciser. Parce qu'un sayed, il peut pas le consommer. Du coup, il faut faire attention et vous nous le dites avant. Ça, les gars, c'est très important et il faut le prévenir. Il faut prévenir MHD et Arzu que vraiment c'est pour ça. Il faut le prévenir, il faudra le noter. Et du coup, voilà, si vous participez à cette campagne, vous recevrez cette carte et un suivi par mail au fur et à mesure. Et voilà. Et sinon, je vais terminer par un hadith de notre prophète sur l'importance des orphelins. Il dit « Celui qui se montre bienfaisant à l'égard d'un orphelin sera ainsi avec moi au paradis. » Voilà, j'ai fait à peu près le tour. Merci de votre attention. Bon tournoi à tous. Et on compte sur votre générosité. Je peux l'applaudir ? Merci. Juste une question, mais ça veut dire que quand on récolte de l'argent dans les boîtes... Il faut que vous sachiez qu'il y a des donations qui ont été faites. D'accord ? Aujourd'hui, il y a eu des donations et du sponsoring pour le tournoi. Donc c'est notre devoir de vous dire aujourd'hui qui est-ce qui a œuvré pour ça. Pour l'organisation du tournoi, ainsi que pour l'association, il y a Safdar Balou qui nous a passé 300 euros. Il y a Akhtar Merali qui nous a passé 100 euros. Il y a John Nassor qui nous a passé 100 euros. Il y a deux anonymes, deux personnes qui veulent rester anonymes, qui nous ont passé respectivement 50 et 150 euros. Et il faut que vous sachiez que nos deux Jamaat respectifs, que ce soit de Bagneux, mais également de la Courneuve, ont voulu apporter leur pierre à l'édifice et vont aussi mettre une très belle somme pour l'association. Pour l'instant, tous les membres de Memphis et Zainab ont mis 550 euros. Et pour les gens, pour les membres de Mohamed Imabaga, la somme nous est pas encore parvenue, elle va nous parvenir dans la journée. Mais ça va être une somme qui va être très proche de celle de Mehfi les Zainab. Et ça, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup parce que là, on est presque à 850 euros de récolté. La journée n'a même pas commencé. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Et le fait que nos deux mosquées nous suivent dans un tel projet qui, encore une fois, n'a rien à voir avec l'aspect religieux parce qu'on est une association qui est là pour développer le social au sein de notre communauté. Et bien même pour ça, nos deux mosquées nous ont suivis. Et voilà, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Avoir le soutien de ces deux présidents qui nous témoignent leur soutien à chaque fois, à chaque événement qu'on organise, ça nous touche vraiment. Donc un grand merci à Azad Eder Ali de La Courneuve et à Sabir Sharifou de Bagneux. Je pense qu'on peut les applaudir. Et à tous les donateurs, évidemment. Très bien, merci beaucoup Kassim. Maintenant, les gars, on va passer aux choses un peu plus sérieuses concernant le tournoi en lui-même. On va parler du football. Et pour ça, je vais laisser Zamir vous expliquer très brièvement les règles du tournoi. On a 3 minutes, 4 minutes, top chrono. Parfait. Alors, au niveau des règles, déjà, je vais commencer à parler des règles générales. Écoutez bien, s'il vous plaît. Donc, les capitaines des deux équipes ayant disputé le match doivent remettre les résultats à l'organisateur directement après le match. C'est-à-dire que là, vous allez avoir à disposition un PC, un écran. L'écran va permettre de diffuser tous les résultats pour que tous les joueurs puissent avoir accès. Donc, il y aura un organisateur ici. À chaque fin de match, venez donner le score pour qu'au moins tout soit clair. L'horaire des matchs ne sera pas changé. Donc, dans le cas où une équipe ne se présente pas à temps pour le début du match, un but sera accordé tous les minutes à l'équipe présente à partir de la deuxième minute. Ça, les gars, on le fera. Ceux qui ne sont pas là à l'heure du match, au bout de deux minutes, il y a un but pour l'adversaire. Si, ça va être systématique. On a un timing à respecter. On est très très short. On va le faire. Les équipes devant disputer leur rencontre doivent se présenter à l'entrée de leur terrain 5 minutes avant le match, avant la fin du match en cours, et peuvent commencer à s'échauffer. Au niveau de la règle du jeu, chaque équipe pourra aligner 5 joueurs. Sur le terrain, 4 joueurs de champ et un gardien de but. L'équipe pourra être composée au total de 6 joueurs maximum. Les remplaçants ne sont pas limités durant le jeu. Les crampons vissés sont strictement interdits et aucun joueur ne sera autorisé à jouer sans le port du protège-tibia.
Le port de toute forme de bijoux est interdit pendant le jeu. Les matchs se joueront sur 20 minutes avec une mi-temps de 2 minutes maximum. Durant la mi-temps, les deux équipes doivent obligatoirement rester sur le terrain. Seul le gardien de but est autorisé à jouer le ballon dans la surface de but et lui seul peut prendre le ballon à la main dans cette surface. Un défenseur entrant dans la zone de son gardien de but et faisant une action de jeu verra son équipe pénalisée d'un pénalty. Les arbitres que j'ai contactés hier soir écoutaient bien cette règle. Si un défenseur rentre dans sa zone et qu'il fait action de jeu, c'est-à-dire que moi je suis défenseur, le ballon il est là-bas, je mets un pied dans ma zone et je reviens, il n'y a pas pénalty. Par contre, si Comey il a le ballon, il tire, je mets un pied dans la zone et j'arrête le ballon, je contrôle le ballon, là il y a pénalty. Parce qu'il fait action de jeu. Un gardien qui prend le ballon hors de sa surface de réparation verra son équipe sanctionner d'un coup franc à 2 mètres de la surface. Si jamais le gardien reproduit la même erreur, son équipe se verra alors sanctionner d'un pénalty. C'est bon pour ça? Gardien en dehors de la surface, coup franc à 2 mètres, indirect, tous les coups francs sont indirects, si ça se passe une deuxième fois, pénalty. Donc les arbitres, soyez vigilants s'il vous plaît. C'est quoi coup franc à 2 mètres? Coup franc indirect à 2 mètres de la surface. Où on veut. Ouais. On essaie de faire ça le plus au niveau centre. Au centre. On sort là, on peut faire le contrat là-bas, il n'y a pas de problème. On le fait au centre. Au centre. Au centre à 2 mètres. D'accord. Si c'est légèrement sur les côtés, c'est pas grave. C'est pas, on est tolérant là-dessus. Ouais. Donc, un attaquant rentrant dans la surface de but de son adversaire sera pénalisé. Le jeu redémarre alors en rendant le ballon au gardien. Si la balle est envoyée dans les filets latéraux durant le match, une touche sera accordée à l'équipe adverse qu'elle devra effectuer à la main. Si après une frappe, la balle est contrée par un défenseur et qu'elle atterrit dans les filets se trouvant derrière la cage adverse, un corner sera accordé au tireur. Si le gardien dévie le ballon dans les filets se trouvant derrière sa cage, il y aura sortie de but. C'est important, le gardien, il y a quelqu'un qui tire, je suis gardien de but, je l'arrête, ça va derrière, il n'y a pas corner. Par contre, il y a quelqu'un qui tire, un défenseur à la contre, ça va derrière, il y a corner. Les tacles glissés ne sont pas autorisés. N'est-ce pas, Farad? Le non-respect de cette règle entraînera un coup franc pour l'équipe adverse. Les fautes graves seront pénalisées par un carton. Tous les coups francs sont indirects. Lors d'un coup franc, le joueur adverse doit se placer à un minimum de 2 mètres du point de tir du tireur. 2 mètres, les arbitres. Si un coup franc est attribué à moins de 2 mètres de la surface de but, le point de tir du coup franc sera alors déplacé de 2 mètres de la surface de réparation afin de permettre à l'équipe qui défend de protéger sa cage. Aucun joueur n'a le droit de se tenir sur la rambarde sous peine d'être sanctionné par un coup franc pour l'adversaire. Lorsqu'un joueur reçoit le ballon de la part du gardien, il ne peut pas lui remettre directement la balle au moins une passe à un autre joueur, sous peine d'être sanctionné par un coup franc à 2 mètres de la surface. Au bout de la deuxième fois, l'arbitre peut sanctionner le joueur par un pénalty. Un gardien qui reçoit le ballon de la part d'un de ses coéquipiers est en mesure de lui redonner sans passer par un autre coéquipier. Alors ça les gars, j'insiste là-dessus. Je suis gardien de but, on me fait la passe, j'ai le droit de la remettre à la personne qui m'a fait la passe. Par contre, je suis gardien de but, je fais la passe à mon coéquipier, il ne peut pas me la remettre direct, il doit passer par quelqu'un d'autre. Si jamais il le fait, il y a coup franc indirect à 2 mètres de la surface. Au bout de la deuxième fois, c'est pénalty. Alors c'est pénalty ou peut... C'est pénalty. Vous n'avez pas pu le voir, c'est un gardien hors norme au sein de notre communauté. C'est le vétéran de ce tournoi, je pense, hein, il concurrence John, donc c'est dire. Ramej Kassamali. Donc maintenant les gars, je vais demander à un joueur à chaque fois de rejoindre une équipe. Donc le premier dans l'équipe de Arzou, Hassan Ali. Dans mon équipe, je vais appeler Shan Ali Mohamed Ali à venir me rejoindre. Le voilà. Moi je veux lui. Le mec a 10 000 prénoms. Dans l'équipe de John Daya, je vais appeler Farad
Farad Erendé. Dans l'équipe de Zoher, je vais appeler Mickaël Ali Mohamed. Dans l'équipe de Kassim, je vais appeler Komel Alibaï Djouma. Dans l'équipe de Arzoubani, cette équipe elle me fait un peu peur, je vais appeler Migdad. Elle est très petite, hein, cette équipe. L'équipe de la mort. Dans l'équipe 7, enfin 7 on verra, ça va être les numéros plus tard, je vais appeler, donc dans l'équipe de Riyad, je vais appeler Danis. Il y a de moins en moins d'applaudissements. Dans l'équipe de Ramej, je vais appeler Alvin. Dans l'équipe de Arzou Hassan Ali, je vais appeler Idriss. C'est là-bas, c'est là-bas. Dans mon équipe, je vais appeler Monsieur Zamir. Dans l'équipe de John, je vais appeler Oscar. Dans l'équipe de Zoher, je vais appeler Alec Eder Ali. Dans l'équipe de Kassim, je vais appeler Shan Ali Mohamed. Dans l'équipe de Riyad, je vais appeler Yassir. Dans l'équipe de Ramey, je vais appeler Shoel. Dans l'équipe de Arzou, je vais appeler Maël Ramjanali. Dans mon équipe, je vais appeler Yannick Djetta. Dans l'équipe de John Daya, je vais appeler Sipten. Sipten, il était chaud entre John Daya et moi, c'était encore assez desserré. Dans l'équipe de Zoher, je vais appeler Hasnan Goulam. Dans l'équipe de Kassim, je vais appeler Yerpan Sifdi. Dans l'équipe qui m'énerve un peu, je vais appeler Komel Razali. Dans l'équipe de Riyad, je vais appeler Farhan. Dans l'équipe de Ramej, je vais appeler Mohamed Yardi Dina. Dans l'équipe de Arzou Hassan Ali, je vais appeler Irfan Goulam Ali. Il garde un but. Dans mon équipe, je vais appeler John Nassa. Dans l'équipe de John Daya, je vais appeler Ryan Anwar Ali. Dans l'équipe de Zoher, je vais appeler Ali Reza. Dans l'équipe de Kassim, je vais appeler Arzou Vassram. Dans l'équipe de Arzou Bali, je vais appeler Soudjad. Encore un plus, allez. Dans l'équipe de Riyad, Chayan. Dans l'équipe de Ramej, Nadim. Dans l'équipe de Arzou, Tofik. Vous avez été tiré en sol en dernier, hein, je sais pas où vous êtes venus. Arzou, Arzou, là, là. Non, non, même pas lâché dans le désordre. Ah oui, oui, oui. Dans mon équipe, il y a Alan. Dans l'équipe de John Daya, Ryan Shazan. Dans l'équipe de Zoher, il y a Zoher, Mickaël Mohamed, Alec, Yachir. Dans l'équipe de Kassim, il y a Kounen. Dans l'équipe de l'équipe qui a tous les joueurs là, Razali, Migdad, Arzou, Komel, Soudjad, Asram Moura. Asram là. Dans l'équipe de Riyad, c'est Réan.
Dans l'équipe de Ramej, il y a Irfan. Tiré à chaque fois un capitaine et un numéro qui va classer donc les équipes dans les différentes groupes. Le groupe A va de l'équipe 1 à 4 et le groupe B 5 à 8. Ça va, je sais compter. Arzou Hassan Ali, s'il vous plaît, un joueur. Tiens, John. Ramej, qui sera l'équipe numéro. MHD et Arzou, vous écrivez s'il vous plaît. Une. L'équipe numéro 1, MHD, Ramej, 1. John Daya. John Daya sera... Équipe 4. L'équipe 4, donc dans la même poule. Riyad Ali. Riyad Ali sera dans la poule 5. 5. Dans la poule B. Tu veux qui là? Kassim Denji. Kassim Denji sera dans la poule. J'ai endormi, mais. 2. Dans la poule numéro A. Enfin, la poule A, pardon. Pas numéro A. La poule A. Comment on braque? Arzou Hassan Ali. Arzou Hassan Ali. 6. 6 dans la poule B. Arzou Vali. Dans la 8. Dans la poule B. Il reste une place dans la poule A. Zoher G. Ah, Zoher G. A ou B. 7. Dans la poule B. Donc je suis dans la poule A. Allez, on vérifie. On vérifie quand même. Équipe 3, qui sera. Toi. Mon équipe. C'est bon pour vous? Ouais. Donc je récapitule, poule A, Ramej, Kassim, Hastani Ridji, John Daya. Poule B, Riyad Ali, Arzou Hassan Ali, Zoher Iridji et Arzou Vali. D'accord? Les capitaines s'il vous plaît.